Yo tout le monde, c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur My Time at Portia. Et vous voyez que j'ai un petit peu réaménagé suite à l'ajout l'étable ici. J'ai remis un petit peu tout contre la barrière, voilà, en ligne. Et comme j'avais dit, j'ai caché un peu tous les coffres derrière là, vu qu'il y a un tout petit creux pas très accessible. Et vu que les coffres, si j'accède à un seul coffre, j'accède à tout, et ben c'est plutôt pas mal. Et le générateur qu'on avait fait, au final, je l'ai mis un peu de côté, parce que vu que je m'en sers pas vraiment, et bien c'est pas grave. Et du coup, chose que j'avais pas fait pour l'instant, c'est que généralement je mettais tous mes coffres à même endroit. Là, je me suis dit que j'allais peut-être mettre un coffre ici. Alors, j'ai mis le coffre ressources parce que généralement quand on a besoin des crafts ici, justement c'est le coffre ressources, donc au moins ce sera plus facile à accéder avec le petit établi ici. Et j'ai remis un coffre ici, le coffre arbre, sauf que je me suis rendu compte en fait que ça fait 4-5 jours qu'en fait je ne reçois plus rien dans mon coffre ici de la part de la ferme arboricole. Et en fait il y a un message qu'on avait reçu il y a quelques temps que je n'avais pas spécialement fait gaffe. Ah parfait, ok. Et du coup bah j'allais dire, on attendait des nouvelles aussi de Ginger, donc ok, on va regarder ce qu'elle m'a mis. Alors, j'ai terminé mon croquis, peux-tu préparer ces matériaux pour moi? Il me faudrait un saphir, deux planches de bois, deux barres de cuivre et un verre. Reviens me voir une fois que tu les auras. Ok, très bien. Et du coup, la guilde du commerce, ça, je sais ce que c'était. C'était l'inspection. Donc, parfait. Parfait, parfait. Mais du coup, si je regarde les messages lus, celui de Dawa, voilà, c'est ça. Il nous avait dit, tu n'as pas eu le temps de t'enregistrer à notre ferme arboricole, machin, etc. Donc, en gros, il avait dit qu'il fallait qu'on renouvelle notre inscription à la ferme arboricole. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on a plus rien. Donc, on va aller le voir s'inscrire. D'abord, je vais juste regarder. Voilà, j'allais dire, j'avais lancé des petites cuissons qu'on va avoir besoin aujourd'hui, voilà, et il faut que je lance surtout des tuyaux en bronze parce qu'on va en avoir besoin et j'en ai pas assez et je suis même pas sûr qu'avec tout ce qu'on a là je vais en avoir assez pour ce qu'on a à faire aujourd'hui. Mais du coup voilà, on va aller voir du coup la ferme arboricole, hop, et on va se réinscrire parce qu'au final j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on ne reçoit plus rien du tout. Et ça m'arrange pas tellement, voilà, je vous avoue, parce que j'aimais bien recevoir des petits trucs. Alors du coup, hop, Dawa, c'est toi. Hop, salut, salut, salut. Hop. La ferme arboricole respecte énormément l'environnement, nous avons planté de tout ici. D'accord, et comment je m'inscris? Attends, c'est peut-être là. C'est peut-être là, acheter du bois. Ok. Client génial, niveau de production 1. Ressources réservées. Coût actuel. Période de validité 0 jours. Ok. Payé. Ok. Non, attends, je comprends pas. Ressources réservées. Ajuster les types. Ah, ok. En gros, je peux choisir, oui, ce qui va m'envoyer. D'accord. Ok. Fibre végétale, bah limite ça me sert. Ah oui, là je vois combien j'en ai. Ok. Alors ça je m'en sers parce que je le donne à mes animaux. Ok. Donc à la limite, ouais. La sève, honnêtement, on va pas en prendre parce que j'en ai déjà beaucoup et je m'en sers pas beaucoup. Le bois, bah c'est bien d'en avoir. Bois dur, fer bois, fruits de caoutchouc. Bah du coup, le fer bois, peut-être un peu plus. Hop, voilà. Ah, c'est en rouge. Pourquoi c'est en rouge? 147. Total de gold. Coût prévu, 10 gold. Période de validité, 0 jours. Ok. Très bien. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Coût compte sauvage, fruit de caoutchouc. En vrai, je regarde ce que j'ai le moins. Hein, et ce que j'ai le moins, c'est le fer bois. Hein. Le fer bois. Bon, le bois, j'en ai un peu moins que le bois dur, mais le bois dur on peut le transformer, donc ça y a pas de souci. Mais limite là j'ai encore de la place là. Attends, si j'augmente. Ok. Vas-y. Hop, 499 sur 500, bah voilà, c'est parfait. C'est parfait, confirmé. Et du coup, niveau de production amélioré. La production augmente de 100%. Ah oui d'accord, je peux avoir le double des ressources. Bon, pour l'instant non, en fait c'est plutôt...
Non, 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 pour l'instant. Et donc, du coup, payer, moi... Ah, d'accord, en fait, je peux payer un an. Bah ouais, vas-y, on va repartir pour un an, du coup. Hop, bon, on a payé. Et du coup, c'est valable 112 jours. C'est des mois de 28 jours, je crois, un truc comme ça. Hop, bon, en tout cas, parfait. Donc, normalement, on devrait recevoir à nouveau du bois. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Alors, du coup, maintenant, il faut que je regarde pour Ginger. Ah bah voilà, j'ai la liste de ce qu'elle voulait. Donc, saphir, planche de bois, barre de cuivre et du verre. Très bien. Bah, attends, du coup, viens là. Hop, on va aller jusqu'à ici. Et voilà, j'ai l'air, j'ai un petit coffre là. Va falloir que je reprenne mes habitudes, du coup. Alors, elle voulait des barres de cuivre. Elle voulait du verre. Elle voulait du verre, tiens, j'en ai là, en passant. Hop, vas-y, prends. Elle voulait du saphir. Bah, elle a de la chance, j'en ai un seul. J'en ai un seul et des planches de bois. Ok, alors ça, je suis pas sûr que j'en ai. J'ai des bois, ouais, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Alors, attends, on va s'en faire vite fait. Je pense que c'est pas très... pourquoi j'arrive pas à accéder voilà, parfait. Alors, des planches de bois. Voilà, c'est celle-ci. Il m'en faudrait deux. Ah bah voilà, parfait. Dans 24... 1h24. 2h24. Ouais, 2h24. Ok, ça va être assez... assez rapide quand même, pas mal. Ah voilà, et il y a Hag du coup qui vient voir Lara, et du coup j'essaye de lui parler tous les jours, comme ça au moins je monte un petit peu mon amitié avec lui tous les jours. Hop, comme ça ça peut être plutôt cool. Alors du coup, ah oui, j'ai récupéré des trucs que je voulais pas spécialement. Ah, attends, il me fallait un saphir, deux planches, deux barres de cuivre, et le verre, j'en ai 12, attends, je vais en redéposer parce qu'elle en veut qu'un seul. Comme ça, ça évitera que j'ai les poches pleines. Voilà, on va redéposer ça. Ici, tac, tac, les barres de cuivre, et puis les deux planches qui sont en train d'arriver. Ça, je vais le remettre là pour l'instant. Ok, service à thé... ok, on va le mettre dans notre maison, tiens, le service à thé. Et d'ailleurs, ça, là, le truc du grand chef, j'ai oublié d'aller le mettre au musée, donc je pense qu'on va aller faire ça. Tac, 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 tac. Alors, j'ai amélioré un des coffres aussi, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est celui-là, le coffre... non, pas le coffre hôte, mais le coffre équipement. Parce que du coup, j'avais trop de trucs. Et par contre, je cherche mon coffre ruine hôte. Ok, voilà, c'est ça. Pour mettre ceci et mon coffre minerai. J'ai l'impression que l'ordre a changé en fonction de comment je les mets... comment je les mets dans ma maison, mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, en attendant que ça se prépare, ça, là, les planches pour Ginger, en fait, eh ben, on va commencer à faire les autres objets qu'on avait besoin pour, justement, le point d'arrivitaillement de véhicule. Il nous faut un château d'eau et une borne de recharge. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu préparé des ressources aujourd'hui. Hop, on va regarder. Alors, on va aller voir tout au bout, parce que c'est tout au bout. Vas-y, encore. Waouh, puis haut, imprimante, poutre, perceuse, barrage, voilà, château d'eau et borne de recharge. Donc c'est ces deux trucs-là qu'il faut qu'on fasse. Bah écoutez, normalement j'ai toutes les ressources, donc ça devrait le faire. On va commencer par le petit château d'eau. Alors, pour le château d'eau, du coup, je vais avoir besoin, si je regarde... Donc, l'aluminium dur, les plaques d'aluminium... plaque de cuivre et grand tuyau. Ok, donc, aluminium dur, voilà, les plaques d'alu, je les ai fait, ça c'est sûr, des plaques de cuivre et les grands tuyaux. Alors, les grands tuyaux, je crois que c'est quelque chose... Ah bah mince, à chaque fois, je pense que mon établi est là-bas aussi, mais non, il est là. Hop, les grands tuyaux, bah voilà, parfait. Et c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de tuyaux en bronze, parce que du coup, bah ça en demande 3,2 à chaque fois, donc un petit peu galère, mais bon, écoutez. Hop, on va en faire 5. Parfait. Et normalement, bah là, j'ai tout. Normalement, j'ai tout pour ce craft-là. Voilà. La partie en bronze, la partie en aluminium, les plaques d'aluminium pour la cuve et les tuyaux que je n'ai pas parce qu'ils sont là. Voilà. Parfait. Hop. 2 heures avant de jouer. Alors oui, j'ai un rendez-vous pour jouer avec... comment il s'appelle ? Avec Albert. Je sais pas pourquoi, il est venu devant chez moi, alors il me semble qu'on avait déjà eu ça à un moment, il était venu devant chez moi, je lui ai parlé, et du coup il m'a dit « Ouais, on peut jouer demain », et j'ai dit « Bah oui, du coup, donc à 16h je crois que je joue avec lui ».
Voilà, donc ça c'est parfait, donc on a le château d'eau, et ensuite il y a la borne de recharge. Donc la borne de recharge, voilà, là il me faut encore des tuyaux en bronze pour refaire des grands tuyaux, etc. Donc ça je les ai pas encore, ils sont en train de se faire, c'est justement ce que j'ai lancé tout à l'heure. Et du coup, par contre, si on regarde, donc ça je l'ai, l'aluminium dur je l'ai, moteur sophistiqué j'ai, par contre il me faut un fourneau industriel. Alors soit je prends un des miens, soit on va en refaire un, et nous je pense que c'est ce qu'on va faire, hop, parce que j'ai quand même bien envie de garder mes trois, comment dire, fours industriels, voilà, ils sont ici. Donc il fallait des dalles de marbre, il fallait des plaques en acier, et je suis en train de me dire que au final j'ai pas préparé assez de plaques en acier, mais c'est pas grave. Allez, on va lancer ça, et du coup je vais relancer les plaques acier, si je peux. Ah, faut que j'attende 46 minutes, ok. Hop, à la limite, attends. Tiens, toi, vas-y, fais une planche. Très bien. Et toi, fais-moi des plaques acier. On va essayer de gagner un peu de temps, là. Voilà, vas-y, fabrique. Oui, fais-en. Bah, vas-y, fais-en le max que tu peux pour l'instant. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qui me manquait? Je ne sais plus. Donc, normalement, voilà, j'avais du marbre. Il me fallait du marbre. Il me fallait quoi ensuite? Les noyaux industriels. Voilà, c'est ça que je voulais crafter. Et que j'ai zappé. Alors, les noyaux industriels. Je peux en faire 6. Magnifique. Parfait, donc en voilà 2. Ok, 1 heure avant de jouer, parfait. Mais de toute façon, normalement, je crois qu'il vient devant chez moi, donc ça posera pas problème. Ensuite, les plaques acier. Alors ça, du coup, je dois en avoir assez. Tac, voilà, parfait, pour en faire un. Par contre, je vais peut-être pas en avoir assez après pour faire l'autre craft. Mais bon, hop, ça, c'est récupéré. Ok, et maintenant, je vais pouvoir faire... Tac... Le pile de pont, biseauteuse, non, je sais plus comment ça s'appelle, la borne de recharge, voilà, c'est ça. Alors, borne de recharge, ok, ça a l'air d'être bien gros. Donc, normalement, il me faut, hop, ceci, déjà, puisqu'on a eu besoin de le crafter, voilà. Alors, ça se met où, fourneau industriel? Ok, bah, il a carrément changé de couleur, le fourneau, hein. Il a carrément changé de couleur. Ok, moteur sophistiqué, l'aluminium dur, les plaques acier, ouais, il m'en faut 4, donc j'en ai que 3 pour l'instant. Grand tuyau, il faut que j'en refasse, mais je crois que c'est pour ça que j'avais besoin des tuyaux en bronze, là. Ok, j'en ai 3, mais je crois qu'il m'en faut plus que ça. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, hop, je vais vite fait... Hop, ok, c'est l'heure de jouer. Vite, hop. Je vais juste prendre le bronze, je vais relancer... Hop, un peu plus de tuyaux, comme ça au moins je sais que j'aurai ce qu'il faut en revenant. Normalement. Alors, je prends mon cheval, et du coup, où est-ce qu'il faut que j'aille jouer? Toc. Ah, c'est là-bas, ok. C'est là-bas, sur la place centrale, et ben, on va essayer de pas trop tarder. Ah mince, attends, go. Let's go. Heureusement que j'ai mon petit cheval maintenant, ça va beaucoup plus vite, hein, clairement. Hop, ah bah il est en train d'arriver, en fait il est en retard. Ah non, c'est pas Albert, c'est... Attends, comment il s'appelle lui? Ah lui c'est Aaron, non? Ah non, Adit, ok. Non, et lui c'est Albert, du coup. Let's go, jouons avec Albert. Hello. Salut, commencez à jouer. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Tu veux te rendre à la table ronde? Eh bah, si tu veux. Oh, du coup il vient avec moi, magnifique. Il veut aller à la table ronde, eh bah, allons à la table ronde. Rentrons. Alors, parfait. Et du coup, est-ce qu'il y a des activités à faire ici? Ah oui, là-bas, on peut manger. Dîner. Oh bah, let's go. Cette odeur me donne l'eau à la bouche, tu veux commander quelque chose? Bien sûr. Vas-y, let's go. Que faire ensuite? Ah, on n'avait jamais fait ça en vrai. Hein. Ok, parler des plats préférés. J'aimerais manger quelque chose d'épicé et de relevé. Ok. Pas du travail. Que devrais-je dire? Ça t'arrive d'avoir du temps libre? J'ai essayé de m'accorder le plus de temps possible. Le succès d'une entreprise dépend du bonheur de son patron. Ou de quelque chose comme ça. Je ne peux pas trouver un proverbe à la volée. Que faire ensuite? J'ai vu qu'il y avait une autre proposition d'en parler de travail. Comment vont les affaires à AG et Construction? Nous sommes une ville frontalière, alors les affaires sont bonnes tant que les gens viennent. Gust cherche toujours à appâter les gros clients. En revanche, il veut que nous rivalisions avec les plus grandes entreprises de construction des cités libres pour décrocher les plus gros chantiers. Nous allons avoir besoin de capitaux pour ça. Tu
tu as le capital nécessaire. Nous cherchons, oui, des investisseurs de Auvent et d'Atara veulent nous financer, mais il y a tellement de formalités à remplir. Ok. Cadeau, bah j'ai pas de cadeau pour toi, je suis désolé. Commander. Je t'offre le repas, qu'est-ce que tu veux commander? Je viens souvent ici, mais ce n'est pas comme si Portia offrait l'embarras du choix. D'habitude, je prends ça. Un pudding à la vanille, champignons au vinaigre, fruits... Attends. Voilà. Pudding vanille, champignons vinaigre, fruits patates vapeur, viande fumée, thé au lait. Ok. Oula. Alors là, y a rien. Ok. Oh, j'ai pas tout retenu, hein. Par contre, je vois rien, là, de ce qu'il m'a demandé. Ah, fruits patates vapeur. Ok. Ah, mais attends, mais il y a plein de trucs qu'il n'y a pas, là. Pudding à la vanille, il l'a dit ou pas? Je sais plus. Thé au lait, ça, il avait dit. Ok. Attends. Salade de fruits, salade de légumes, salade de poissons, machin, plein de champs. Enfin, ça, y a rien. Ok, spaghetti. Mais il avait des patates douces ou je sais pas quoi, là. À un moment, il a dit patate douce. J'ai pas trouvé ce truc-là. Côte bien enlevée, dinde, ragoût de poisson. Ah bah si, il y a les patates vapeur, c'est ça. J'ai totalement zappé ce qu'il a dit. Bah écoute, on va manger juste ça, parce que le reste, j'ai pas retenu. Le pudding à la vanille, j'hésite. Vas-y, on va faire ça. Vas-y. Eh ben, au moins, il y a quelque chose pour moi. Merci pour le repas. Wow, ça va, hein. Ça va. Hop. Que faire ensuite? Parler des plats préférés. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, j'ai cliqué trop vite. Bon, c'est pas grave. Vas-y, on va lui reparler un peu du boulot. J'ai vu qu'il y avait un autre choix. Voilà, c'est ce que tu veux, posséder la plus grande société de construction? Une partie de moi veut ce qu'il y a de mieux, mais d'un autre côté, je me plais ici. J'ai assez d'animation d'Atara ou à la rigueur de Auvent. Alors je laisse mon entreprise ici pour l'instant. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, je n'ai plus de points, donc on va pas repartir. Hein. Hop. Ok, c'était amusant, merci pour ce super rendez-vous, à la prochaine. Ok. En fait, je pensais que ça allait être autre chose qu'un rendez-vous, parce que ça fait un peu rendez-vous comme je fais avec Ginger, mais je voulais pas spécialement faire ça avec Albert. Mais bon, allez, on a mangé entre potes. On va dire ça comme ça. Alors, let's go. Ah, mon cheval, pourquoi je peux pas monter dessus? Hop, ah, ça y est. C'est bon. Parfait. Alors, hop, on va sauter la petite barrière. Donc, normalement, est-ce que... ah bah, ça va pas beaucoup avancer, là, mes tuyaux, là, hein. Ça a pas beaucoup avancé. Alors attends, du coup j'avais, moi, hop, l'aluminium dur, voilà, parfait. Grand tuyau, et le moteur sophistiqué, faut que je récupère le moteur, effectivement. Le petit moteur, tac, qui doit être dans, ruine autre, sophistiqué. Voilà, parfait, il en faut un seul, comme ça, on est bon. Non, attends, le thé, il faut que je le mette, chez moi. Attends, je l'ai laissé dans le coffre, je m'en doutais. Hop, dans le ruine autre. Voilà, reviens là. Donc, normalement, on est bon. Voilà, et là, il manque juste les tuyaux, c'est ça? Ah, et les plaques acier. Ah, les plaques acier, ça doit être bon, du coup. Parce qu'il m'en manquait une seule. Voilà, j'en ai refait plusieurs, mais au moins, comme ça, je suis sûr que tout est bon. Plaques acier. Voilà, non. Attends, c'est en dessous les plaques acier. Attends, pourquoi j'arrive pas à voir les plaques acier en dessous? Ah! Est-ce que je peux mettre les plaques acier, s'il vous plaît? Pourquoi je peux pas mettre les plaques acier? Grand tuyau, par derrière. Ah, voilà, ok. Allez donc. Et du coup, il me manque. C'est quoi qu'on a dit? Ah, les grands tuyaux. Ok, mais les grands tuyaux. Est-ce que je peux les faire maintenant? Ah, je peux en faire que un, il m'en faut deux. Donc on va attendre. Ah, bah en fait, je pense qu'il me faut un seul tuyau en bronze de plus. Donc si tu pouvais vite fait terminer... Ah bah voilà, parfait, il y en a un en fait. Il y en a un, le timing est très bon. Parfait. Allez, hop. Ah bah non, qu'est-ce qui me manque alors? Ah mais si, non, il en faut 3,2. Ah oui, donc du coup, il m'en fallait deux. Hop, on attend un petit... Ah bah parfait, par contre, j'ai la planche en bois pour Ginger, donc ça, on va pouvoir compléter. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est?
Où est-ce qu'elle est? Je peux peut-être aller la voir. Gust, y a pas Ginger avec elle? Avec lui, pardon. Et dans la santé. Ah bah voilà, elle est là, en fait, tout bêtement. Tout bêtement. Bah allez, viens, on va aller rendre la quête à Ginger. Comme ça, au moins, on va avancer cette quête-là. Hop, et bah elle est chez elle, en fait, tout bêtement. Voilà. Alors, bonjour. J'ai tout ce qu'il te faut, Ginger. Hop. Alors, bonjour. Oui, celles-ci sont parfaites. Ce saphir est magnifique. Je ne peux sortir qu'une fois la nuit tombée. Allons à ton atelier pour terminer notre objet. Elle me suit ou... Attendre jusqu'au coucher du soleil. Bah c'est bon. Non. Moi aussi j'aimerais me promener sous le soleil, mais on n'y peut rien. Attends un peu qu'il fasse plus sombre, d'accord? Ok. Et c'est à quelle heure le coucher du soleil? C'est à quelle heure le coucher du soleil? Est-ce que c'est 18h? Si c'est 18h, c'est tout de suite. Hop, est-ce que c'est bon là? L'air est tellement frais maintenant, allons-y. Oh là là! Le timing est bon! J'ai bien fait de pas venir plus tôt, du coup. Alors, est-ce que Ginger, elle vient là? Où est-ce qu'elle est? Ah oui. Ah, elle est montée avec moi! Magnifique! Magnifique! Allez, on y va doucement, comme ça je l'économise. Je l'économise un petit peu ses pas, et honnêtement, ça va un petit peu plus vite. Eh, je lui fais faire du galop, là. Hop, un petit saut de biche. Parfait. Alors, du coup... vas-y, on est à mon atelier, là, en fait. Vas-y. Hop, tu veux qu'on travaille? Ah. Voilà. C'est un type d'établi que j'ai créé. C'est dans un vieux livre de mon père que j'ai trouvé l'inspiration. Je vais te dire quelque chose, mais il ne faut pas que tu ris, d'accord? Je ne rirai pas. J'ai beau savoir travailler les minéraux, je ne sais pas du tout me servir du bois. Pourrais-tu t'en charger? Pas de problème, je m'en occupe. D'accord. Alors la situation est entre tes mains, camarade. Très bien. Faut que je fasse quoi, du coup? Fabriquer l'objet cadre photo en saphir. Ok. Bah let's go, je pense qu'on doit pouvoir faire ça. Attends, ah, faut que j'apprenne la leçon. Voilà, pas la leçon, mais la recette, pardon. Hop, et du coup, à nouveau, je dois avoir un nouvel objet ici. Cadre photo en saphir. Ok. Ah, mais il faut deux saphirs. Ah, mais j'en ai pas deux. Je n'en ai pas deux, Ginger. Au final, elle m'avait pas dit ça, qu'il fallait deux saphirs. Moi, j'en ai qu'un. Ah bah oui, mais je peux pas te le faire, en fait. Je peux pas te le faire, Ginger. Tu m'avais pas dit qu'il fallait deux saphirs. Moi, j'en ai qu'un. Bon, ça m'embête un petit peu, mais ouais, j'y peux rien, en fait. Ou alors, peut-être qu'elle peut me donner un saphir. J'aurais dû plus détailler. Bah le truc c'est qu'en fait tu vas pouvoir attendre très longtemps, Ginger, hein, parce qu'il va falloir que je retourne en mine chercher du saphir, etc. Donc ça va être compliqué. Bon bah écoutez, moi je vais continuer à refaire mes grands tuyaux là, mais je suis désolé en fait. Rentre chez toi, Ginger, hein, parce que sinon ça risque d'être long. Bon, en tout cas moi j'ai terminé. Hop, j'ai terminé la bande de recharge, donc là j'ai tout fini pour... Non mais attends, mais par contre faut que je l'accompagne, le Ginger, là. Est-ce qu'elle veut venir... Est-ce qu'elle veut faire du cheval? Hop, Ginger. Bah ouais, en fait, la recette... Ah bah non, moi je voulais qu'elle monte sur le cheval, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, non, je vais pas pouvoir beaucoup plus l'aider que ça. Ginger, là, en fait. Par contre, il est où, Albert? Je sais pas. Bah si tu veux, on peut dormir, on passe la nuit, Ginger. Mais là, j'avoue que je suis un peu bloqué, parce qu'il faudrait que je retourne en... Ou peut-être... Attends, on peut peut-être en acheter quelque part. Minage ferme. Ferme? Comment ça, ferme? Attends, je vais aller dormir. Et on va voir si je peux en acheter demain quelque part, parce que s'il faut que j'aille miner, bah du coup, ce sera pas tout de suite, hein, clairement.
Est-ce que Ginger m'attend toujours devant la porte? Ce serait bizarre. Ça veut dire qu'elle a passé la nuit ici, alors qu'elle est en mauvaise santé. Bizarre. Mais en fait, c'est un peu étrange, parce que elle me demande un saphir, et au final, dans la recette, il y en a besoin de deux. Donc, pas terrible. Alors, j'ai du courrier, qu'est-ce que c'est? De Carole. La machine à coudre que tu as fabriquée est incroyable, elle termine des vêtements bien plus vite à présent. Je pense également pouvoir améliorer les attributs d'un vêtement avec cette machine. Pourquoi ne viendrais-tu pas la tester? Je t'offre le premier essai. Oh. Stylé. Alors, attends, du coup, je vais récolter, hop, la petite crotte. Voilà. On va faire les petits câlins au cheval. Voilà. Ah, regardez qui arrive. Il y a Hack derrière. Voilà, les petits câlins, parfait, ok, très bien, et là en vrai, ça fait 3-4 jours que je fais les caresses, je pense qu'il devrait être beaucoup plus heureux là, je pense. Alors, étable, ah il est pas content, hein. Pourtant, 68, enfin, ça va faire beaucoup plus, hein, mais bon. Alors du coup, toi, je vais te redonner de la nourriture, voilà. Parfait. Et du coup, on va aller aussi nourrir les petits veaux. Voilà, ajouter. Tac. Alors oui, du coup, je sais pourquoi la dernière fois, il n'y a rien qui s'affichait. C'est parce qu'en fait, la première fois pour ajouter, en fait, pour que la ligne apparaisse ici, il faut l'avoir dans son inventaire et pas dans les coffres. Parce que du coup, j'en avais de ces ressources-là. Mais donc, du coup, j'ai pris quelques ressources que je savais qu'on pouvait mettre et j'ai ouvert le truc. Et effectivement, là, j'ai pu leur donner de la nourriture. Parfait. Alors, du coup, je voulais juste regarder aussi... Ah, ça y est, le pourcentage a enfin augmenté parce que j'avoue que, pour l'instant, il restait tout le temps à zéro. Mais du coup, je les ai nourris pour la première fois hier, vraiment. Là, il est à 13%. Ok. 13% et lui... 13%, c'est... Ouais, ce qui est logique parce qu'ils étaient tout le temps en même temps. Bon, alors... Ah, bah voilà, le retour du bois. En plus, j'avais pas tilté. Mais ça, c'est cool. Ça va faire plaisir. Voilà, les petites ressources. Bien. Ok, et donc du coup, où est-ce qu'il faut que je rende ma quête, moi? Mais je comprends pas. Attends, faut que je rende à qui la quête, là? Ah, construit et installé dans le bloc austral. Ah, il faut que j'aille les installer moi-même. Ok, d'accord. Alors par contre... Attends, tout à l'heure, ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille acheter les... Attends, il y en a peut-être un qui vend par là. Est-ce que toi, à la limite, tu vendrais les saphirs? Non, lui, il vend des... Lui, il vend des meubles, ok. Lui, Mars, là, il vend quoi? Outils et compagnie. Ah, il vend des minerais. Ah, ça aurait peut-être pu être lui, mais du coup, il a pas l'air de vendre de saphir. Et ça... Mais ça me semble bizarre. Pourquoi ça me met la ferme? On va aller à la ferme, mais j'y crois pas trop. Hein. J'y crois pas trop que ce soit la ferme. Par contre, le cheval, honnêtement, ça nous sauve énormément. Hein. Ça va beaucoup plus vite en cheval. Voilà. On va aller à la ferme, mais ça me semble bizarre. Pourquoi ce serait la ferme de Sophie qui vendrait les saphirs? J'avoue que je ne comprends pas trop. Mais bon. Bah non, ouais, c'est logique, elles vont pas ça, quoi. Elles vont pas ça. Bah non, bah je pense qu'il faudra que j'aille miner, hein. Je pense que je sais ce que je vais faire pour la prochaine fois, hein. On ira miner, tout simplement. Et du coup, on pourra aider Ginger. Alors, je vais juste regarder, c'est... Est-ce qu'il y a un temps pour faire la quête? Non, il n'y a pas de temps, ok. Il n'y a pas de temps pour faire la quête. Ok, oh, en plus, ça donnera pas mal d'amitié avec Ginger et Russo. Et lui, l'alliance... Alors, l'alliance, ça va pas tarder. Normalement, c'est le 26 et le 27e jour du mois. Donc là, on est le 24. Donc, effectivement, je pense que j'irai miner, comment dire, entre les épisodes. Et il y a un moment où il faudra que je pense à acheter. Ou peut-être que je vous reprendrai à ce moment-là, justement, pour acheter l'alliance. Attends, je suis du bon côté, là. Non, pas vraiment. C'est pas le bon pont que j'ai pris. C'est pas le bon pont. Ce n'est pas le bon. Hop. On va aller ici, nous. Voilà. Et on va aménager, du coup. Oh, j'aurais pu y aller en bus, en vrai. Mais c'est vrai que maintenant, avec le cheval, ça va beaucoup plus vite. Ah, mais du coup, j'avais pas vu que ça commence à prendre forme, ici, là.
Ah, j'avais pas du tout vu avec la gare routière. Ah ouais. Ah ouais, excusez-moi. Installer le château d'eau. Bah vas-y, carrément. Hop. Ah bah évidemment, je me doutais que ça allait être un gros truc, le château d'eau. Très bien. Et du coup... Et ici... Ok, j'avais pas vu que c'était de l'autre côté. Très bien. Et là, la bande de recharge. Voilà. Je suis coincé dedans. Mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh bah magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est vrai que ça commence bien à prendre forme. Là, il y a un petit hôtel. Là, ok. Ah, c'est un café. Ok, d'accord, très bien. Là, c'est la maison de Siwa, c'est ça. Et en fait, on a tout aménagé à côté de Siwa, quoi. Et la station de la gare routière, on pourra prendre certainement le bus. Et ici, je sais pas trop ce que c'est. Bon, écoutez, plutôt sympa. Plutôt sympa, tout ce petit aménagement, là. Et du coup, là, faut que je retourne voir Albert, c'est ça. Donc, Albert, ah bah, il est en train de bosser chez lui. Très bien. Et bah, allons-y. Allons-y, allons-y. Au final, ça fait pas si loin. Enfin, en cheval, ça fait pas si loin, parce que ça va assez vite, quand même. Mais, effectivement, il y a un petit bout, quand même. Alors, hop, descend. Bon, je me balade toujours avec mon aluminium, là. Je suis très fier d'avoir fait de l'aluminium, du coup, je le trimballe partout. Vas-y, lâche l'aluminium, là, quand même. Alors, Albert! Nice work. Ah, joli travail, géniaux. Maintenant que nous avons de l'eau dans le bloc austral, il ne nous manque plus que l'électricité. Une fois connectés au réseau de la ville, les affaires pourront commencer. Très bien. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Mais du coup, la borne de recharge, c'était pas pour l'électricité? Bon, ok. Ok, ok. Let's go. Alors, je vais juste regarder, c'est... Est-ce que, du coup, il y a une nouvelle quête ici pour le bloc austral? Ou est-ce que pas du tout? Ah, pas du tout. Mais bon, il y a des quêtes quand même, donc on va regarder. Russo. Ok, deux morceaux de vêtements chauds. Ok. Je sais pas comment on fait ça. Des lampes de bureau. Ok. 29 d'amitié. Pas mal. Et là, 20 d'amitié. Des écharpes en fourrure. Bah, je pense que je vais partir sur celle-là, parce qu'en plus, les lampes de bureau, je sais que j'ai la recette. Ça m'augmente de 29 points, donc c'est ce qui m'augmente le plus en social, donc on va prendre ça. On va prendre ça. On va regarder si on peut le faire. Honnêtement, je crois qu'il faut du bronze encore, il me semble. Ou je sais plus. Je sais plus. On va regarder rapido. Si on peut le faire tout de suite, bah tant mieux, sinon je préparerai les ressources pour la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Oh, par contre, j'ai pas ramassé leur crotte à eux. J'avais pas fait gaffe. Ils ont pas fait à l'intérieur. Non, ils ont pas fait à l'intérieur. Alors, hop. Alors, lampe de bureau. Ah non, c'est du cuivre qu'il faut. Ah, c'est dommage, il me manque juste ça, des barres de cuivre. Barres de cuivre, et il m'en faut... Hop, oh bah attends, limite. On va se mettre en mode... on veut du cuivre. On veut du cuivre. Hop, fabriquer. Vas-y. Vas-y. Il m'en faut 3... Mais vu qu'il faut que je le fasse... Non, il m'en faut 7 au total. Il m'en faut 7 au total. Voilà. Let's go. Le cuivre. Hop. Et j'en avais combien déjà des trucs en cuivre? Parce que ça se trouve, j'en avais déjà un petit peu. J'en avais 2. Ok. Bon, écoutez, on va refaire un peu partout, là. Comme ça, au moins, j'en aurai un. À chaque fois, 2h30. Je pense que là, on va être bon. Clairement. Avec tout ça. Hop, parfait. Voilà. Ok, et du coup, ici, on va récupérer. Alors, des tuyaux en bronze, bah du coup, il m'en reste un petit peu. Alors, pourquoi, en fait, j'avais prévu de faire beaucoup de tuyaux en bronze? Parce que, vous avez vu que pour faire le... Mince. Comment ça s'appelle? Pour faire la station d'énergie, là, je sais plus comment ça s'appelle. Attends, on va regarder. Pour faire la borne de recharge, il me fallait un fourneau industriel, et je m'étais dit, quitte à en refaire un, autant en refaire un deuxième, comme ça j'en aurais un pour moi. Et bah, tout à l'heure, vu que j'avais pas assez de ressources, bah du coup j'en ai fait qu'un pour essayer de compléter rapidement. Mais en fait, j'ai bien envie de m'en faire un deuxième aussi, et il me manquait du coup les plaques d'acier. Voilà, parfait, ça normalement j'ai tout, donc on va s'en refaire un, mais cette fois-ci, il va être pour nous. Il va être pour nous, celui-ci. Voilà, et comme ça, j'aurai un nouveau four, un petit quatrième four, là. Et je pense qu'on pourra même se séparer des petits fours, en vrai, parce que...
parce que c'est très bon, mais rien à voir. Hop, en vrai, ils prennent de la place et ils sont pas spécialement utiles. Je récupère juste les plaques de marbre, voilà, j'avais prévu assez de plaques de marbre pour tout faire, hein, donc il me semble bien que tout était prêt. Voilà, récupéré. Et comme ça, nous, on va en avoir un de plus. Est-ce que je peux redécaler, en fait? Ah oui, je peux redécaler. Ok, alors attends, on va faire ça. On va faire ça. Toi, viens te décaler de 2. Voilà. Toi, tu viens de décaler de 2 aussi. Voilà. Ah, est-ce que je vais y arriver? C'est pas simple, en vrai, à déplacer les trucs. Je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Alors, en plus, ceux-là, ouais, je les ai mis dans ce sens-là pour être... non, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Dans ce sens-là, pour que ça prenne un peu moins de place. Voilà, toi, tu viens là et tu te mets ici, mais dans l'autre sens. Voilà. Hop, vas-y. Ah! Hop! Ah! Est-ce que je vais y arriver? Oui, parfait. Ok, donc là, je vais prendre celui-là. Je vais le mettre ici, si mon cheval veut bien s'en aller, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le cheval. Voilà, parfait. Ok, lui, du coup, je vais le décaler. Et ben là, parfait. Et du coup, mon nouveau, je vais pouvoir le mettre. Alors, il va falloir là qu'on joue. Hop. Parfait. Voilà, très bien. Comme ça, j'ai tous mes gros fours. Oh non, mince, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai tous mes gros fours au même endroit. Ok, pas que je fasse de bêtises. Ah, je m'en doutais. Voilà, ok. Souvent, je me trompe de touche, du coup. Voilà, on va récupérer ça. Parfait. Donc, je sais plus pourquoi on avait besoin de faire... Ah oui, les lampes de bureau x2. Voilà, parfait. Très bien. Eh ben, allez, on va aller rendre cette quête. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. C'est qui voulait ça? C'était Carole, hein. Ok. Elle est là. Bon, elle nous a parlé des vêtements. Là, je pense qu'on verra ça. Hop. Oh, faut que, en fait, on va y être, donc autant aller la voir direct. Hop, oui, non, c'était là. Hop, Carole. Hey. Alors, commande, tu as bien aidé. Voilà. Oh, elle m'a donné une petite dague, là. Qu'est-ce qu'elle va faire avec la petite dague? Perfectionner. Cette nouvelle machine à coudre est géniale. Je l'ai essayé sur les vêtements de mes filles. Je peux même modifier les attributs des vêtements. Et si tu m'apportais quelque chose pour essayer? Ok, interagis avec Carole et sélectionne perfectionner. Tu peux aussi te rendre au magasin de Carole et utiliser la machine à coudre industrielle pour perfectionner les vêtements. D'accord. Sélectionne le vêtement à perfectionner. Confirme pour passer à l'étape suivante. En perfectionnant un vêtement, tu peux conserver son apparence, mais échanger ses stats avec celle d'un autre vêtement. Tous les vêtements que tu reçois sont listés ici. Remarque, si tu choisis le perfectionnement de faible niveau, les stats peuvent aussi être affaiblis. Matériaux requis pour ce perfectionnement. Stats avant perfectionnement. Stats après perfectionnement. Ok. À part confirmer perfectionnement, rends-toi dans le magasin le lendemain pour récupérer le vêtement. D'accord, ok. Il y a un petit délai, mais pas de souci. Ok. Quel vêtement veux-tu modifier? Aucun équipement. Ah bah ok, on va comme ça. Comme ça au moins, mais en même temps, c'est vrai que j'ai pas de vêtements sur moi. Mais ok, donc en fait, on peut garder l'apparence d'un vêtement et prendre les statistiques d'un autre vêtement pour les mettre dessus. En vrai, c'est plutôt malin. Comme ça, si t'aimes bien le design d'un truc, bah au moins tu le gardes, mais t'as des bonnes stats, même si c'est un objet de début, quoi. Ok, eh ben écoutez, très bien, je pense que nous, on va pouvoir se laisser ici, puisqu'on a quand même pas mal avancé, mine de rien. On a terminé l'aménagement du bloc austral pour l'instant, ce qu'on nous a demandé. On a avancé avec Ginger, malheureusement, elle m'a fait une petite feinte, elle me demande un saphir, et au final, elle en a besoin de 2 pour faire le craft, donc bah il va falloir que je retourne miner pour ça, et on a toujours la quête de l'Alliance qui devrait se résoudre le 26, ou le 27, je sais plus quel jour exactement il vient. Hop. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois qu'il vient vendredi, samedi. Donc, en fait, il vient le 26 et le 27. Donc, je pense que là, je vais aller miner. J'espère avoir un saphir. Si j'ai pas de saphir, j'irai peut-être miner là. Et dans le pire des cas, je vous retrouverai le 27. Comme ça, on finira la quête. Et d'ailleurs, si je regarde... Il reste 4 jours, oui, donc c'est bon. Même si je le fais le 27, on sera dans les temps. En tout cas, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. On a quand même bien avancé et je termine avec une dague dans la main. Incroyable, bref. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et sur ce, bye tout le monde!